Et bonjour à vous, amis taureaux. C'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Alors, Grisette est devant la vidéo. Je suis désolée, elle vient de faire tomber une carte. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour moi? Non, il n'y a pas qu'une carte qu'elle a fait tomber. Ouh là là, oui, c'est joli. Bon, écoutez. Ça parle d'un futur succès en amour pour vous, hein, après des désillusions. Donc, je vais dire que c'est pour vous. Bon, on est parti sur vous, amis taureaux, puisque vous êtes le signe qui avait visionné le plus dernièrement votre guidance sentimentale. Et puis, c'est votre mois anniversaire. Donc, j'ai choisi de commencer par vous. Vous et les autres signes, les compatibilités. Bon, alors, gardez à l'esprit que quand même, ça reste... pas des clichés, mais on est sur du général, on est sur ce que l'on sait du signe en général. Bien entendu, ça peut changer puisque vous pouvez être influencé par votre ascendant. Vous pouvez aussi avoir une certaine éducation qui fait que vous n'avez pas tous les traits de caractère du taureau. Mais en général, si on avait une définition à vous donner, ami taureau, c'est la force tranquille, puisque vous êtes la force tranquille, hein. Alors, on dit de vous, ami taureau, que vous êtes quand même assez stable, assez pragmatique, assez réaliste. On dit de vous, ami taureau, que vous n'êtes pas fan du changement parce que vous aimez votre zone de confort, vous aimez, comment dire, savoir où vous allez, puisque vous avez besoin ici de cet équilibre, cette stabilité. Vous êtes des amis fidèles, loyaux, vous êtes fidèles en général, vous êtes un des signes les plus fidèles hein, dans les signes astro. On dit de vous aussi que vous êtes très têtu, entêté, mais pour moi, ce n'est pas forcément un défaut parce que votre entêtement peut aussi parler de persévérance dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Alors, et le côté négatif du côté têtu du taureau, c'est qu'on aura du mal à vous convaincre. Si vous avez une idée en tête, vous ne l'aurez pas ailleurs ici. Il peut vous arriver d'être impulsif. Je dis, il peut vous arriver d'être impulsif. Ben oui, quand on essaie de vous bousculer, quand on essaie de vous pousser à bout, vous pouvez avoir des colères assez impressionnantes. Mais comme il est dit, vous êtes la force tranquille. Donc, pour que vous sortiez de vos gonds, il va vraiment falloir vous pousser, hein. Alors, vous n'êtes pas véritablement des aventuriers, des aventurières. Ben, vous avez bien compris ici que vous avez besoin de maîtriser, contrôler, de savoir où vous allez. Donc, partir à l'aventure, mais quand je dis aventure, c'est même au niveau sentimental. Non, ce n'est pas votre truc ici. Vous êtes très travailleur, il peut y avoir pas mal quand même chez nos amis taureaux d'indépendants ici. Et parce que vous cernez votre sujet, c'est parce que vous avez les épaules, la carrure, je dirais même, bah, pour entreprendre, pour avoir le poids des responsabilités. Donc c'est un très très bon signe, hein, le taureau. Dans les 12 signes, oui, vous êtes un très bon signe. De ce fait, vous pouvez ici être compatible avec pas mal de signes quand même, ami taureau. Hein. On vous parle d'être très compatible avec vos alter ego, les taureaux, d'être très compatible avec vos copains, vos cousins, les capricornes, très attirés, très sensibles au cancer, à la vierge, aux poissons, à la balance. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de compatibilité. Je crois que vous êtes un des rares signes qui pouvait vous accorder avec pas mal d'autres signes zodiacaux. Bon, ici j'ai dressé à peu près un portrait de ce que vous êtes. On va aller voir ici signe par signe dans un premier temps ce que l'on dit en général, ce qu'il est dit, que ce soit dans les blogs, que ce soit chez les astrologues de vous avec l'autre signe. Et puis on ira demander directement aux cartes, elles, qu'est-ce qu'elles pensent de votre histoire avec cet autre signe. OK?
Donc, je vais faire pause, je vais placer un autre signe en face de vous, je vais vous dire ce qu'en disent les autres, ce qu'on en dit en général, et puis après, je vais aller demander aux cartes ce qu'elles pensent, elles, de cette relation entre vous et cet autre signe. Donc, à ce moment-là, je vais vous mettre en barre de description le minutage, comme ça, vous pourrez aller voir si vous n'avez pas envie d'écouter tout ce que l'on dit de toi et de l'autre signe. Donc, comme ça, vous aurez votre libre arbitre. Donc, on commence tout de suite et je vais commencer avec votre alter ego, le taureau. Je fais pause et on est parti. Donc, il n'y aura qu'une carte, c'est le taureau, puisque de l'autre côté, je n'ai pas de deuxième carte qui représente un autre taureau, mais c'est taureau et taureau, ok? Si vous avez une histoire avec le même signe que vous, un autre taureau, on est parti pour écouter ce que l'on dit ici. Alors, ce que l'on dit ici en général, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, puisque vous êtes quelque part, s'il y a un adage, qui se ressemble, s'assemble. Et ça match. Qui se ressemble, s'assemble et ça match. Les mêmes valeurs, la même endurance, les mêmes envies. Oui, qui se ressemble, s'assemble. Ok, ça c'est ce que l'on dit en général. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'en pensent les cartes en fait? Donc on va commencer avec l'oracle de l'amour. Si vous vivez une relation sentimentale avec un autre taureau et que vous êtes taureau, qu'en pensent les cartes? Ici. Alors, j'ai oublié de dire en préambule, les traits de caractère du taureau, que vous étiez un peu comme vos amis les scorpions, très possessifs, hein, très jaloux, très possessifs. Ça, j'aurais dû le dire en préambule, j'ai oublié de le dire, mais bon, c'est un premier jet, vous êtes mon premier signe, on est parti. Taureau et taureau, taureau et taureau, taureau et taureau, taureau et taureau. Taureau et taureau. Taureau et taureau. Qu'est-ce qu'en pensent les cartes? Allez, on est parti. La souplesse. Ok. Belle attirance ici. Alors oui, ça aussi, j'ai oublié de le dire. Avec vos amis, les scorpions, vous êtes un signe très sexué, très sexuel, très sensuel. Oui, hein, on connaît la réputation des taureaux. Donc, vous faites preuve de souplesse l'un envers l'autre, parce que vous êtes à l'identique. Donc, vous vous adaptez au rythme de l'autre, qui est le vôtre d'ailleurs. Donc, on vous dit ici, si vous êtes dans une relation avec un taureau, on vous dit ici que vous dansez hein, tous les deux avec les événements de la vie. Vous faites preuve tous les deux de souplesse dans votre relation. Il y a beaucoup de joie ici, il y a beaucoup de créativité aussi entre vous. Alors, je dis joie parce qu'on est sur un 30, donc sur un 3, ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit les cartes? Qu'est-ce que disent les cartes ici? Taureau et taureau, taureau et taureau. Belle attraction, ça fait deux fois qu'on vous le dit. Oui, en effet, il y a une belle attirance physique, chimique entre vous. Il y a une belle attraction, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de... Vous pouvez être très tactile, très sensuel, l'un envers l'autre, ok. Taureau et taureau, taureau et taureau. Concrétisation des projets, et oui, en effet, vous avez les mêmes buts. Oui, comme je l'ai dit, vous, qui se ressemble, s'assemble. Et on vous dit ici qu'il y a un gros potentiel de construction sur la durée, ici. Il se peut même que vous travaillez ensemble, il se peut que vous ayez les mêmes désirs quant à l'avenir. Ici, on vous parle d'un gros potentiel dans cette relation. Hein. Alors, si vous vivez actuellement avec un taureau, c'est un état de fait. Hein. Alors, si on avait un conseil à vous donner ici, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, si on avait un conseil à vous donner, taureau et taureau, la solidité, bah oui, j'ai failli la remettre dans le paquet, je sais pas pourquoi, parce que j'ai lu autre chose. La solidité ici, et regardez-moi ça, le dos de deck, je vais vous le montrer avant de le poser. L'effet miroir, qui se ressemble, s'assemble. Oui, on parle ici de solidité dans le couple, hein. On parle d'un couple qui tient la route quelque part. Hein. Donc, si vous vivez avec un taureau, ici on vous dit
Effet miroir qui se ressemble, ça semble. Vous faites preuve de beaucoup de souplesse. Vous êtes très attiré, très sensuel, très à l'écoute de l'autre, très tactile. On vous dit qu'il y a même ici avec concrétisation des projets du soutien, de l'association, de l'alliance. On vous dit ici qu'il y a une solidité dans le couple, qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent se concrétiser. Vous êtes deux partenaires. Partenaire de cœur, partenaire de travail, partenaire ami. Écoutez, taureau et taureau, ça match. Ok. On passe au signe suivant. Taureau et poisson, ça match. Ça match aussi. Déjà parce que il y a la même énergie de lenteur dans ce que vous désirez entreprendre. Il y a beaucoup de souplesse aussi entre vous. Chacun s'adapte à l'autre. Il y a une hypersensibilité chez le poisson qui touche le taureau. Et puis, ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît chez le taureau de la part du poisson, c'est, comment dire, alors ne le prenez pas mal, mais le taureau domine le poisson. Et le poisson s'adapte au taureau. Il y a cette énergie-là qui plaît beaucoup au taureau. C'est pas un rebelle, le poisson. Le poisson va s'adapter à votre rythme émotionnel. Vous avez deux visions au niveau du travail, deux mêmes sensibilités au niveau du travail. C'est que chez le poisson, il y a une forme de paresse. Mais c'est pas de la paresse. Hein. C'est juste que le poisson a besoin de temps pour maîtriser quelque chose. Et vous, c'est pareil. Vous, c'est pas que vous avez besoin de temps, c'est que vous avez besoin d'une feuille de route, d'une zone de confort. Et là, vous êtes en effet miroir avec le poisson concernant cela. Vous avez aussi de même sensibilité parce que le poisson est très famille et vous êtes aussi très famille. Donc, on peut dire que vous avez à peu près les mêmes valeurs ici. Le poisson, ce qui match avec le poisson, c'est que lui, il va s'adapter à vous, à votre rythme émotionnel, à votre sensibilité. Donc il y a quand même une relation dominant-dominé, sachant que ami taureau, vous êtes le dominant sur le poisson. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on dit en général du taureau et du poisson. Mais qu'est-ce que les cartes, elles, vous disent ici? Si vous vivez une relation avec un poisson, qu'est-ce que les cartes vous disent? Bon, il y a des promesses, il y a de l'engagement. Ici, c'est une belle carte, hein, qui vous dit que si vous êtes dans une relation avec un poisson, il y a de fortes chances d'engagement. En tout cas, ici, il y a un pacte, il y a un contrat entre vous deux qui vous dit qu'il y a possibilité justement d'avancer ensemble. Il y a même ici avec la carte de la promesse, possibilité de travailler ensemble. Ok. Vous avez ce même désir d'engagement en tout cas. Ok. Qu'est-ce que vous disent les cartes? Qu'est-ce que vous disent les cartes? Excusez-moi, parce que je ne les ai pas remuées après l'autre. Qu'est-ce que vous disent les cartes? Très bientôt. Alors, ça parle de votre rythme ici. Ça parle de votre rythme émotionnel. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Donc déjà, si vous êtes dans une relation avec un poisson, on vous dit que les choses arriveront assez vite à vous. Ou alors, ça peut vous dire aussi que le poisson, comme je vous l'ai dit précédemment, saura s'adapter à vous. Si vous désirez quelque chose avec cette personne, elle saura vous dire oui, elle saura s'adapter à vous. Ok. Alors, je vais juste regarder le dos de deck. Très bientôt, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, en effet, vous êtes sûr. La même longueur d'onde. Il y a cette même énergie d'optimiste entre vous et cette personne. Je reprends les mêmes cartes, je ne sais pas pourquoi. Ok. Taureau et poisson. Taureau et poisson. Taureau et poisson. Regarde, adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, en effet, le poisson saura s'adapter à ton rythme émotionnel, saura être patient, saura faire en sorte de te rejoindre ou de s'adapter à tes désirs, à tes besoins. Donc, on est quand même dans une relation dominant-dominée. Et s'il y a un conseil, toi, ami taureau, par rapport au poisson, qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez plus loin. Oui, il y a une énergie ici
d'engagement, mais de se stimuler l'un et l'autre pour aller toujours plus loin ici. Ou alors, il y a aussi l'énergie de où c'est toi, où c'est l'autre qui aide l'un ou l'autre à voir plus loin, à se donner les moyens d'avancer encore et toujours plus loin. C'est une belle énergie. Hein. Voilà les taureaux et les poissons. Taureau et bélier. Taureau et bélier, je suis désolée, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Deux bêtes à cornes, donc il peut y avoir beaucoup de conflits d'électricité entre vous. Le seul truc qui peut matcher, c'est sensuel, sexuel. C'est la sexualité. Alors, pourquoi ça matche pas? Parce que vous, ami taureau, vous avez besoin d'une zone de confort. Vous avez besoin, pas de lenteur, mais vous avez besoin de cette avancée ici. J'avance doucement, mais sûrement. Le bélier, c'est tout le contraire. Le bélier, c'est un passionné. Le bélier, il faut que ça bouge. Le bélier est souvent dans l'excès. Et ça, ça peut vous mettre les nerfs. Parce que vous, vous êtes quelqu'un de sage, de posé. Le bélier aura tendance à vous bousculer. Et je vous l'ai dit, vous... Le seul truc qui peut vous faire sortir de vos gonds, c'est quand on vous met à bout. Et c'est ce que fait le bélier, en fait. Et le bélier a tendance à s'éparpiller parce que c'est quelqu'un qui aime toucher à tout. Vous, non. Vous, non. Puisque vous, vous avez besoin de votre zone de confort. Vous avez besoin d'être rassuré, rassurant. Pareil, vous êtes très possessif, très jaloux, ami taureau. Le bélier, ça, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas supporter. Ok, parce que lui, il a besoin d'intensité, il a besoin de vivre, il a besoin de beaucoup d'indépendance aussi. Je vous dis, ça ne matche pas. Taureau, bélier, ça ne matche pas. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire, elles? Taureau, bélier. Voilà, l'égarement. Non, c'est quelqu'un qui vous perd dans l'histoire. C'est quelqu'un de trop... C'est trop de prise de tête, tu vois, parce que l'égarement, c'est une carte de mental où ici, tu es perdu, tu cherches une issue positive, tu cherches à sortir du labyrinthe. Et c'est ce que le bélier t'implique, t'incite à faire. Et regarde, en dodec, on a la libération, on a le poids. Non, c'est trop lourd. Même les cartes vous disent la même chose. Ok. Ensuite... Qu'est-ce que vous disent les cartes avec le bélier? Oh, c'est karmique. C'est fort, c'est intense au niveau de la sexualité. Mais vous le savez, une relation karmique, c'est une relation très douloureuse parce que c'est très intense, parce que ça vous fait travailler pas mal de choses. Et vous, vous ne demandez pas, vous n'avez pas envie de travailler quoi que ce soit. Vous, vous avez des certitudes. Vous, vous avez une quête. Vous ne la lâchez pas... de votre vision, de votre champ de vision, et vous n'avez pas envie d'intensité, de tourment. Non, ça, c'est pas pour vous. Ok? Et d'ailleurs, en d'autres decks, on te dit lâche prise. On te dit, voilà, ne t'embarque pas là-dedans, ce serait trop tourmenté, trop compliqué. Ok. Qu'est-ce que te disent les cartes par rapport au bélier? Elle a volé par-dessus ma tête. Adieu la routine. Alors, adieu la routine, en effet, c'est quelqu'un qui te fait sortir de ta zone de confort. Et on sait que toi, tu n'aimes pas ça. Les changements, c'est pas ton truc. Quand il y a changement, tu t'adaptes, mais avec lenteur, mais tu n'aimes pas ça. Et le bélier, lui, a besoin d'aventure. Tu vois, il est toujours par mont, par veau, bref. Et toi, non. Adieu la routine, ça parle aussi d'un envol ici, de faire tomber les masques, d'être sincère avec toi, ben, que c'est pas ce que tu désires, quelque part. Ça pourrait, oui, en effet, te stimuler un certain temps, mais dans la durée, non. Dans la durée, tu finirais justement par te lasser et te perdre dans la situation. Un conseil, taureau bélier, un conseil. La bénédiction cachée. Ben, c'est un mal pour un bien. Parce que pour moi, la bénédiction cachée, oui, on te dit hein, qu'il y a quelque chose ici qui pourrait être passionné, passionnant. Mais caché ici avec le masque, l'authenticité, est-ce que c'est vraiment ce que tu désires au long terme? Puisque toi, tu as besoin ici de certitude. Tu as besoin ici qu'on te rassure. Le bélier ne te rassurera jamais. Parce que le bélier est trop libre, trop feu. Toi, tu es un signe de terre. Donc non, ça ne matche pas. Taureau, gémeaux.
Taureau, Gémeaux, c'est pas terrible. Le Gémeaux, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a une dualité chez le Gémeaux, hein. Celui qui rit, celui qui pleure. Et toi, comme on le sait, ami Taureau, les changements, c'est pas ton truc. Les personnes versatiles, lunatiques, c'est pas ton truc. Devoir t'adapter, c'est pas ton truc non plus. Le seul truc qui vous réunirait ici, c'est une relation éphémère ici. Parce que le Gémeaux, il saura te faire rire quand même. Il est très fantaisiste. Donc, il t'amuse. Donc, au niveau amical, ça match. Au niveau sentimental, ça match pas. Ça match pas parce qu'il faudra toujours le rassurer. Or, toi, tu as besoin d'être rassuré. Le Gémeaux est souvent dans sa tête. Toi, tu n'es pas médium. Donc, toi, tu as besoin qu'on verbalise les choses. Donc, sur le papier, Taureau Gémeaux, ça match pas. Ça matche pas du tout. Alors, on va voir ce que les cartes, elles, te disent dans cette relation. Taureau, Gémeaux. Voilà, jalousie, emprise. Et oui, alors la jalousie, c'est toi. La possessivité, c'est toi. Sauf que le Gémeaux, c'est un signe d'air. Hein. Donc, tu peux pas emprisonner ou mettre sous cloche un Gémeaux parce que déjà il est très changeant. Le Gémeaux en plus c'est un signe, c'est un séducteur, hein, le Gémeaux. Donc ça va pas te plaire du tout. Donc on voit ici il y a une énergie de vouloir maîtriser l'autre et tu n'arrives pas à le maîtriser. Puis en plus il va réveiller en toi une forme de jalousie ici parce que très insaisissable. Ok. Alors, Taureau Gémeaux, ouais, conversation cœur à cœur, je viens de le dire. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de verbaliser les choses, qu'on vous dise les choses. Sauf que le Gémeaux, quand il est dans des peurs, dans des doutes, il a tendance à se réfugier dans son mental. Donc, le Gémeaux est très boudeur, hein. Donc, si tu vas pas le chercher, ben, tu sauras pas ce qui va pas, en fait. Et ça pourra t'énerver au long terme, ici. Ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit, Taureau Gémeaux? Hop là, âme sœur, flamme jumelle. Ouais. Il pourrait y avoir, oui, une énergie ici, mais bon, libre arbitre, hein, on te dit tout dépend de toi. Moi, pour moi, l'âme sœur, la flamme jumelle, bon, bien que j'ai pas la croyance de la flamme jumelle, alors moi, je ne souhaite à personne d'être dans ce genre de relation, puisque c'est comme la relation karmique, c'est très souffrant. Moi, ici, je pense qu'il y a une compatibilité au niveau amical, mais pas au niveau sentimental. Parce qu'ici, il y a une énergie de ça brûle de l'intérieur, ça me brûle les doigts, ça m'énerve plus qu'autre chose, parce que ça me fait sortir de certaines certitudes et je n'ai pas envie de sortir de mes certitudes. Rappelez-vous que vous êtes un signe très têtu. Ok. En conseil, Taureau Gémeaux. Taureau Gémeaux. L'envol. Ben oui. Alors l'envol, ça parle de tenter ta chance comme ça peut parler de prendre ton envol, ton indépendance et de quitter la relation qu'il y a entre toi et ce Gémeaux ici. Parce qu'on est sur un 19, sur un 10, sur une fin de cycle, quelque chose de lourd à porter, quelque chose ici justement. Le Gémeaux pourrait te stimuler justement à prendre ta liberté, prendre ton indépendance, c'est possible. Mais il pourrait t'inciter aussi à prendre la porte. Excuse-moi. Mais ouais, voilà les taureaux et les Gémeaux. Taureau et lion. Aïe, 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 j'ai envie de dire. Taureau et lion, aïe, aïe, aïe. Il y a trop de divergences ici entre vous deux. Il y a trop de trop, voilà. Pourquoi? Parce que le lion, déjà, il est indomptable. Et vous êtes quelqu'un de jaloux, possessif. Lui, le lion, il aime la liberté. Il aime son indépendance. Il aime aussi dominer l'autre. Ici, il y a un jeu de pouvoir entre vous deux et ça matche pas. Parce que toi, personne ne te domine ici. Ou alors, si quelqu'un doit te dominer, c'est toi. Ou c'est toi qui dois dominer. Le seul truc ici qui peut matcher, c'est le sexe. Mais de toute façon, ami taureau, tu es comme ton ami scorpion. Vous êtes deux signes très sexués. Vous êtes connus pour être deux signes très sexuels dans l'astrologie.
Donc, sexuellement, vous pourrez matcher avec tous les signes. Avec le lion, non. Le lion est trop autoritaire, trop dominant, cherche à te dompter et toi, ça, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas et tu ne te laisseras pas faire. Le lion, très passionné, très feu, il a besoin de toucher à tout, il a besoin... il a plein de passions, mais attention, le lion ne va jamais au bout des choses. Un jour, ce sera la musique, le lendemain, ce sera l'écriture, le lendemain, ce sera la peinture. Et toi, ça, le changement, c'est pas ton truc. Toi, les gens qui ont envie de goûter à tout et à rien, en fin de compte, c'est pas ton truc. Vous êtes trop opposés, trop de divergences pour que ça matche, trop de personnalités pour que ça matche. Ok, alors qu'est-ce que te disent les cartes ici, taureau et lion? Et j'ai oublié de marquer le minutage. Bon, ben, c'est pas grave. Je le ferai tout à l'heure. Regardez-moi ça, la sensualité. Oui, si c'est au niveau charnel, il n'y a pas de problème, ça matchera. Hein, on a le livre du Kama Sutra, donc on vous dit, au lit, ça va matcher à 200%. Et on vous dit ici que si vous êtes dans une relation, ben c'est le charnel qui vous attire ici. Ok. Ensuite, que vous disent les cartes? Taureau, lion. Séparation, donc voilà. On vous dit que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Que le seul truc qui vous unit ici, c'est la sexualité. Que vous disent les cartes? Taureau et lion. Tout bouge maintenant. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve d'endurance, de patience, de tolérance envers le lion. Sauf que ça, vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas courir après quelqu'un, essayer de le rattraper. Non, vous ne savez pas faire ici. Et puis, on vous dit que dans cette relation, tout bouge maintenant. Ça bouge, ça remue. Je te dis, le lion, c'est un signe très passionné. C'est un signe qui vit intensément. Toi, non. Toi, non. Toi, tu es la force tranquille. Et en dodec, on a en plus le poids de la famille. Et en plus, là-dessus, ça diverge. Parce que toi, tu es très ancré à des valeurs ancestrales. La famille, pour toi, il ne faut pas y toucher. C'est important. Le lion, il est famille, mais s'il y a des divergences dans la famille, il sera coupé. Et ça, toi, tu t'arrives pas à comprendre ici. Ok? Donc, pour moi, non. Mais, enfin, pour moi, pour les cartes, non. Un conseil, taureau et lion. La loi de l'abstraction. L'abstraction. Non. Trop divergent. Regarde-moi ça. Abstraction, c'est faire, c'est mettre un arrêt ici. La loi, c'est, on te dit que toi et l'autre, non, vous ne pouvez être qu'en conflit, que dans la divergence, que dans les étincelles. Et c'est pas du tout, toi, ce qu'il te faut. Voilà les lions et les taureaux. Taureau et vierge, ça match. Taureau et vierge, ça match. Vous avez les mêmes valeurs. Hein? La famille, le travail... l'argent, oui, parce que j'ai oublié de dire que vous étiez quand même matérialiste, ami taureau, comme la Vierge. La Vierge, c'est pareil, elle a besoin de certitude, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin, c'est pareil, d'avoir sa feuille de route. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, j'ai coché le 1, je m'en vais vers le 2, et vous êtes pareil, ça, oui. Pareil, au niveau de la famille, vous avez les mêmes valeurs. Au niveau de ce que vous souhaitez, au niveau du travail, c'est pareil. Vous êtes dans cette énergie de quand je m'investis, j'y vais à fond. Je vais au bout du truc. Ok. Donc, pour moi, taureau, vierge, ça match. Et en général, de ce que j'ai vu, oui, apparemment, ça match. En même temps, vous êtes deux signes de terre, ce qui est normal. Alors, qu'est-ce que disent, elles, les cartes, taureau, vierge? Taureau et vierge. Taureau et vierge. Et oui, coup de foudre, ça match. C'est comme une sorte d'évidence ici, on vous dit avec le coup de foudre. Il se peut également hein, que vous ayez un coup de foudre. Alors, la seule divergence, je vais dire, elle est au niveau sexuel parce que la vierge, on ne peut pas dire que ce soit un signe très, très porté sur la chose. Mais vous saurez l'initier, puis elle saura vous surprendre aussi. Ok.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit, taureau et vierge? Ouais, finance et carrière. Vous avez ce point en commun, je vous l'ai dit. Au niveau de l'argent, vous êtes deux signes très matérialistes, mais deux signes qui avaient besoin d'être sécurisés. Au niveau du travail, vous avez les mêmes valeurs et la même façon de fonctionner. Donc oui, en effet. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, taureau et vierge? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, taureau et vierge? Quand je reprends les cartes, c'est qu'elles n'ont pas véritablement sauté, hein. Je ne l'ai même pas regardée. Elle s'est remise dans le paquet, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Rencontre par le travail. Donc, il est possible que ce soit même un partenaire au niveau du travail ou que vous... C'est grâce au travail que vous allez vous rencontrer et c'est parce que vous avez cette valeur commune ici qu'il y a une consolidation du lien ici. Ok. Alors, le conseil pour la Vierge et le Taureau. Hop là, oula, reviens là. L'introspection. Alors, l'introspection, ça dit que c'est la Vierge hein, qui est beaucoup dans l'introspection, à se poser toujours et encore des questions, mais pour se diriger vers un mieux-être. Et on a l'air de dire que vous avez ça en commun, en fait, de tout le temps vous remettre en question, de tout le temps prendre un temps de pause ici pour aller vers le meilleur. Mais ici, on a l'air de vous dire qu'avec la Vierge, vous formeriez un beau partenaire au niveau professionnel. Que vous avez tous les deux des valeurs communes, mais que vous avez tous les deux ici ce sens du matériel, ce sens du travail. Vous êtes deux équipiers, deux partenaires de vie. Et puis ici, on voit avec l'introspection que chacun, vous apportez quelque chose de bénéfique ici. Voilà, taureau et vierge. Taureau et balance. Alors, taureau et balance, vous avez de belles affinités. Est-ce que je peux dire que ça matche sur le long terme? Il y a quand même quelques dissensions ici, surtout au niveau de la jalousie et de la possessivité. Parce que la balance est un signe d'air. La balance aime sa liberté, son indépendance. Le seul point en commun que vous avez ici, c'est la recherche de stabilité, d'équilibre. C'est la famille, c'est les valeurs. Là où ça pourrait poser problème, parce que toi, tu as besoin de sécurité, tu as besoin d'être rassuré, la balance, elle pourrait te faire douter justement. Et puis, on n'est pas dans le jugement. Je vous ai dit, on reste sur des gros traits de caractère. La balance et la fidélité, elle va là où son cœur lui dicte d'aller. Donc, tu vois, alors, pour moi, je vous dis, il y a une belle complicité, il y a de belles affinités. C'est quelqu'un qui peut apporter l'équilibre et la stabilité souhaitée, mais il y a des mais. Donc, moi, je suis pas sûre à 100% que sur le long terme, taureau et balance, ça match sur le long terme. On va voir ce qu'en pensent les cartes. Qu'en pensent les cartes? Bon, on vous dit ici avec la rencontre qu'il y a de belles affinités, il y a une belle complicité, il y a beaucoup de tendresse et il y a un désir d'être avec l'autre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous disent les cartes? Taureau et balance. Voilà, laissez partir votre ex. Pour moi, ça peut pas durer sur le long terme ici. Il y a une belle attirance du taureau envers la balance et vice-versa. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse. Mais taureau, tu seras pas rassuré par la balance. Tu seras pas rassuré. Il y aura beaucoup de conflits entre vous, mais c'est par rapport à la fidélité de l'autre, c'est par rapport à l'inconstance de l'autre. Toi, t'es, comme on a dit, la force tranquille. Toi, t'as besoin d'être sûr. La balance, elle pourra pas t'apporter cette certitude sur le long terme. Elle aura tendance à te dire, à l'instant T, je t'aime, mais je sais pas de quoi demain sera fait. Je sais pas, je pourrais avoir un coup de foudre. Tu vois, donc c'est pas quelqu'un qui te rassurera. Ok, qu'est-ce qu'on te dit de plus, taureau, balance? Prise de conscience de ton âme sœur. C'est quelqu'un qui te remettra toujours en question. Oui, en effet, vous avez des affinités. Oui, en effet, ça pourrait matcher. Mais c'est quelqu'un qui sera toujours en train de te,
Quand on est dans la prise de conscience, ici, c'est qu'on a besoin d'un temps de recul, de méditation pour avoir un déclic. Et je te dis, moi, c'est quelqu'un ici qui ne saura pas te rassurer au long terme. Pourtant, il y a une belle complicité entre vous. Ok. Et le conseil, Taureau Balance, la loi du vide. Tu vois, à un moment donné, ça s'arrêtera. À un moment donné, il faudra faire table rase. À un moment donné, il faudra comprendre que ça ne pourra pas marcher sur du long terme. Voilà Taureau et Balance. Taureau, Sagittaire. Bon, aïe, aïe, aïe. Pourtant, vous êtes des bêtes à quatre pattes. Mais non, ça, il y a trop de... C'est trop compliqué, Taureau, Sagittaire. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, il faut que ça pulse. C'est un signe de feu, hein. Il faut que ça pulse, il faut que ça déménage, il faut que ça aille vite. Toi, il faut, comme je l'ai dit en préambule, il ne faut pas qu'on te mette la pression. Toi, tu avances doucement mais sûrement. Non, toi, la rapidité, les excès, ce n'est pas ton truc. En plus, le Sagittaire, très indépendant. Toi, comme je te l'ai dit, très possessif, très, très jaloux. Donc, l'indépendance, la liberté, non. Non, trop ouvert d'esprit, trop pour toi. Bon, vous avez bien compris, ami Taureau, les signes de terre et les signes de feu, c'est pas, ça matche pas, ça matche pas. Pourtant, le Sagittaire te fera beaucoup rire. Le Sagittaire, tu vas l'admirer parce que c'est quelqu'un qui voit toujours la vie en rose, qui est toujours optimiste. Oui. Mais il y a l'énergie de c'est trop compliqué, c'est trop prise de tête, ça te bouscule de trop et ça tu n'aimes pas. Ok. Que te disent les cartes Taureau et Sagittaire? Bon, on a la carte de l'amour ici. Ok. On te dit pourtant il y a de l'amour, mais regarde, mais c'est fragile. Donc soit c'est le Taureau qui aimera fortement le Sagittaire ici, mais qui se sentira fragile parce que pas rassuré, parce que trop intense, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau et Sagittaire. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, on vous dit ici qu'il y a une énergie d'attente. Alors, je ne sais pas qui attend l'autre. Qui est dans l'attente de l'autre? Ou qui a besoin de plus de temps? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? J'ai pas la sensation que ce soit le Sagittaire qui doit t'attendre. Mais j'ai plus la sensation que c'est toi qui dois t'adapter au Sagittaire. Mais sur du long terme, c'est pas possible. Toi, t'es la force tranquille, mais t'es aussi dans la solidité, dans l'ancrage. J'ai pas la sensation que tu pourrais rattraper un Sagittaire. Ok. Ensuite, je vais essayer de faire une lecture des trois cartes là. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Alors, blocage matériel et financier. Et en plus, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'argent et au niveau du matériel ici. Et puis, regarde, nouvelle rencontre proche. On te parle bien de passer à autre chose si tu es avec un Sagittaire. Parce que la nouvelle rencontre proche, c'est pas le Sagittaire. C'est autre chose. On te dit ici, avec le blocage matériel et financier, que vous n'avez pas les mêmes expectatives, les mêmes attentes, et qu'en plus, vous êtes prisonnier de quelque chose, parce que, ou il y en a un qui est trop dépensier, et attention, parce que toi, tu ne l'es pas du tout. Hein, pas du tout. Toi, je ne dirais pas que tu es radin, c'est pas ça du tout, mais comme tu as besoin de sécurité, tu as fait preuve, tu as été la fourmi, pas la cigale. Et là, tu as affaire à une cigale. Hein. En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si on lit les trois cartes, ouais, on vous dit que même ici, s'il y a de l'amour, même s'il y a une énergie de patience, le fait est que vous serez bloqué dans la relation et que, ad fine, vous vous dirigerez vers quelqu'un d'autre. Ok. Le conseil pour Sagittaire et Taureau, passez à l'étape suivante. Donc, on vous dit de passer à autre chose ou d'aller vers autre chose, de sortir de... Non, cette relation pour moi, non, elle est trop compliquée. Voilà.
Je suis désolée, j'ai oublié vos petits amis les cancers. J'ai sauté les cancers. Écoutez, on va voir taureau cancer. Puisqu'apparemment, ça match avec le cancer, puisque vous avez la même sensualité, la même sensibilité. Vous ressemblez beaucoup en fin de compte. Vous avez déjà, vous êtes tous les deux de signes très 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 famille ici. Et vous avez beaucoup beaucoup de valeurs en commun. Donc, oui, pour moi, cancer, taureau, ça match. Cancer, taureau, ça match. Alors, qu'est-ce qu'en disent les cartes ici? Et puis, vous savez, le cancer saura aussi s'adapter à vous, hein? Il sera beaucoup dans l'admiration, beaucoup dans le respect de vous. Alors, taureau, cancer. Ah, prise de tête. Ok. Alors, les cartes vous disent que, y aura des prises de tête, des prises de bec. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que le cancer est très introverti. Et le cancer garde énormément de choses en lui par peur, par lâcheté, par honte, par pudeur aussi. Mais vous, vous saurez le rassurer. Vous saurez comprendre sa sensibilité. Ok. Qu'est-ce que vous disent les cartes? Bon, alors d'après les cartes, c'est quand même une relation prise de tête. Ok, contrairement à ce que l'on dit ici. Ensuite, d'après les cartes, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, beaucoup de passion ici. Beaucoup d'attirance. Oui, je vous ai dit, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de sensibilité entre vous. Ok. Beaucoup d'attraction, beaucoup de passion. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau et cancer. Beaucoup de prise de tête apparemment. Et quelqu'un ici n'est pas prêt ici. Alors, ça peut être le cancer ici, hein. Parce que je vous dis, le cancer, c'est quand même un signe assez torturé. Mais vous serez sensible justement à cette hypersensibilité. D'après les cartes ont l'air de dire que ce serait compliqué cette relation. Ont l'air de dire que ça ne matchera pas tant que ça. Parce que l'hypersensibilité de l'autre pourrait vous épuiser au long terme. Il y a une énergie de c'est trop prise de tête ou tes tourments me prennent trop la tête ici. Et puis vous, on a vu que vous avez besoin d'avancer. Vous n'aimez pas ici, vous posez 36 000 questions. Vous êtes assez pragmatique, ami Taureau. Contrairement au cancer qui est très dans son imaginaire, très dans sa tête. Donc même sur le papier, on a l'air de vous dire que taureau cancer, ça match, les cartes ont l'air de dire le contraire. Donc un conseil ici, que vous n'aurez peut-être pas, vous serez sensible à l'hypersensibilité de l'autre, mais vous n'aurez peut-être pas la patience au long terme, justement, d'être toujours à l'écoute de l'autre ou d'essayer de réconforter l'autre. Ouais, réfléchissez, on vous dit, hein. Libre arbitre. Avec la carte réfléchissez, on vous demande à deux fois hein, si vous voulez véritablement vous lancer dans une relation avec un cancer. Moi, j'ai toujours dit cancer, ça ronge de l'intérieur. Même s'il y a de belles âmes chez les cancers, ils sont compliqués quand même. Donc, les cartes ont l'air de te dire de réfléchir à deux fois avant de te lancer dans une relation avec un cancer. Taureau et Capricorne, ça match plus, plus, plus. Franchement, ça, c'est un couple solide qui dure dans le temps parce que vous vous ressemblez énormément. Tous deux, vous n'aimez pas les changements. Tous deux, vous avez besoin de votre zone de confort. Tous deux, vous avancez doucement mais sûrement. Tous deux, vous avez les mêmes valeurs. Et puis, alors, juste au niveau sexuel, vous serez plus ami taureau dans l'intensité que le Capricorne, mais le Capricorne, vous lui apporterez justement ici cette énergie de découverte à ce niveau-là. Mais oui, ça match plus, 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 hein, taureau et capricorne. Et surtout dans la durée, dans la stimulation, dans l'écoute, dans l'entraide. Vous êtes sur la même longueur d'onde. OK. Elles, les cartes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Taureau et capricorne. Oui, de l'engagement. Oui, sur du long terme. On vous dit tous les deux. Je suis prêt maintenant à prendre l'engagement de. Ouais, voilà. Et on a une permission, on a un grand feu vert ici. Ok, ensuite, que vous disent les cartes Taureau et Capricorne? Hop là, elle a failli s'envoler. On parle de codépendance.
Vous allez être très attachés l'un à l'autre. Vous allez être très dépendants l'un de l'autre. Vous pourrez compter l'un sur l'autre. L'attachement va être immédiat. OK. Ensuite, que vous disent les cartes Taureau et Capricorne? Distance géographique, déplacement. Ça déménage, ça bouge. On peut vous parler aussi de méditation. L'un et l'autre, vous saurez être dans la prise de distance si conflit il y a pour mieux vous retrouver ici. En principe, quand on a la carte de la distance géographique et du déplacement, ça présuppose que l'autre n'habite pas la même ville que toi. Mais vu que là, on demande aux cartes si votre relation pourrait durer dans le temps, serait solide, pour moi, c'est la prise de distance ici qui peut se faire dans les situations de conflit. La prise de distance, la prise de conscience pour mieux revenir vers l'autre. On vous dit aussi avec les déplacements, on vous dit que c'est une relation qui bouge et qui avance. OK. Conseil dans cette relation Taureau-Capricorne. Conseil Taureau-Capricorne. Conseil Taureau-Capricorne. Il n'y a peut-être pas de conseil, s'il y en a un. Découvrir de nouvelles choses. Oui, en effet, il y a une notion d'apprendre à se connaître et de respecter les étapes. Il y a une notion de vous stimuler l'un l'autre pour aller toujours vers de nouvelles découvertes. C'est la prise de distance aussi lors des conflits hein, qui fait que vous revenez avec une prise de conscience, avec un déclic, avec un mieux-être, avec plus de sérénité. Et oui, en effet, l'un et l'autre, vous découvrez mutuellement chaque jour. Donc pour moi, ça match. Taureau et Verseau. Et je me rends compte que j'ai oublié les scorpions, donc je le ferai après. J'aurais dû préparer mes cartes à l'avance, c'est pas grave. Taureau et Verseau, non. Non, définitivement, non. C'est trop compliqué, vous êtes trop différents, ça matche pas. Bon, encore une fois, c'est un signe d'air. Donc, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, son indépendance. C'est quelqu'un qui est très, trop investi dans l'argent, dans le travail. Vous allez me dire, mais ami Taureau, vous êtes aussi matérialiste et vous êtes aussi très travailleur. Mais vous êtes dans la force tranquille. Vous êtes dans l'équilibre. Vous n'êtes pas dans l'excès. Le Verseau est dans l'excès. Le Verseau a des priorités. Et quelquefois, vous n'êtes pas sa priorité. Quelquefois, souvent même. Rappelez-vous, Taureau, possessif, jaloux, vous avez besoin d'être rassuré, qu'on vous rassure. C'est pas du tout le cas du Verseau. Le Verseau, non, il a pas envie de vous rassurer. Le Verseau, versatile, on le dit. Donc, ça aussi, ça, vous n'aimez pas. Vous aimez la constance, la stabilité, l'équilibre. Le Verseau, non, c'est pas du tout ça. Donc, ça ne matche pas. Vous êtes trop différents. OK? Alors, qu'est-ce que vous... Les cartes, elles vous disent quoi si vous êtes dans une relation avec un Verseau? Elle vous dit prudence. Bon, OK. Parce qu'il y a un manque de sincérité. Parce que, voilà, il n'y a pas assez d'authenticité dans cette relation. Donc, c'est vrai que le Verseau, au niveau de la fidélité, il va là où l'emmène le vent. Hein. C'est pas... Il y a dans les signes zodiacaux, là, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, c'est pas les plus fidèles. Hein. Surtout chez les hommes. Mais voilà, on est dans des généralités, mais je vous le dis quand même. OK. Que vous disent les cartes ici? Gardez l'esprit ouvert. Ben oui. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben, on vous parle de vos différences. On vous dit que vous êtes différent, mais que ben, quelque part, les différences peuvent être complémentaires. Donc, ça pourrait matcher, mais attention. On vous dit bien que vous allez rester quand même sur une forme de vigilance et de prudence vis-à-vis du Verseau. OK. Ensuite, que vous disent les cartes? Fusion des sentiments. Donc ici, on vous parle de passion, on vous parle de charnel ici, mais pas que. Ici, la rencontre, elle se fait parce qu'il y a déjà une forte attirance. Alors, sachez que les Verseaux sont très séduisants, mais ils sont aussi très séducteurs, séductrices. Donc, vous pourriez être amené à être séduit par une apparence. Et puis,
En fin de compte, quand vous grattez, vous vous rendez compte que y a quelque chose qui ne vous plaît pas forcément chez l'autre, ok? Et qu'est-ce que vous conseillent les cartes dans cette relation où on vous dit que vous êtes différent, mais que vous avez quand même envie de vivre une certaine aventure, mais avec prudence et vigilance? En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chakra du cœur. On vous dit ici que vous risqueriez d'être dans de la souffrance dans cette relation. Vous risqueriez d'être assez peiné à obtenir quelque chose, impacté au niveau du cœur. Voilà Taureau et Verseau. Et Taureau et Scorpion que j'ai oublié, écoutez, différents mais complémentaires. Après, sur du long terme, je suis pas sûre à 100% que ça matche. Alors déjà, au niveau de la sexualité, deux signes très connus pour être sexuels dans les signes astrologiques. Donc là, à ce niveau-là, c'est un sans faute ici. Par contre, au niveau du long terme, bon, je vous l'ai déjà dit, ami Taureau, vous, les excès, c'est pas votre truc. Et puis, il n'y a pas plus excessif qu'un Scorpion. Et puis, c'est pareil, vous avez en commun cette possessivité, cette jalousie. Sauf que le Scorpion vous bat à pleine couture. Puisque le Scorpion sera encore plus jaloux et possessif que vous, ce qui pourrait vous déstabiliser, puisque vous avez l'habitude ici de montrer votre jalousie et votre possessivité, mais vous n'aurez pas l'habitude qu'on se montre jaloux et possessif encore plus que vous ne l'êtes. Donc c'est pour ça que pour moi, ça risque de faire des étincelles. Les points en commun, le sexe, les points en commun, le côté travailleur, le côté endurant, les points en commun, la famille ici, mais sur du long terme, je suis pas sûre. Moi, je pense que vous pourriez vous stimuler l'un l'autre, mais les excès du Scorpion vont épuiser au long terme ici. Et puis, vous êtes quelqu'un d'assez doux quand même, d'assez sensible. Je dis pas que le Scorpion n'est pas sensible, au contraire. Le Scorpion est hypersensible, mais le Scorpion est très sur la défensive. Il a cette réputation d'être assez piquant. Ça, toi, t'as du mal. Il peut être aussi dans l'humour noir. Ça aussi, t'as du mal. Donc, je suis pas sûre que sur de long terme, ça matche à 1000% Taureau Scorpion. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes Taureau et Scorpion. Hop là. Ouais, on a la trahison ici, hein, qui est tombée tout de suite. Hein. Alors oui, en effet, hein, le Scorpion, c'est pareil au niveau de la fidélité. Lui, s'il aime, il est fidèle. S'il est attaché, il ne le sera pas. Et il faut voir la différence. Un Scorpion, quand il aime, c'est qu'il est allé sonder l'âme de l'autre et ça a matché, il l'a dans les tripes et il sera dans l'exclusivité la plus totale, la plus excessive, je dirais. Par contre, s'il n'a pas eu de coup de cœur, si ben toi je t'aime bien, il n'hésitera pas à aller voir ailleurs, hein, pour aller chercher véritablement sa quête. Donc déjà ici, on vous dit que dans cette relation, il y a quelque chose, il y a une évolution qui pourra pas se faire. Puisqu'ici, ça parle d'un incident de parcours ou dû à de l'infidélité, ou dû, vous n'avez pas la même quête, vous n'avez pas la même évolution, vous n'avez pas le même désir, le même but ici. Par contre, la légèreté, oui, ça fonctionne, ok. Attention, légèreté, trahison, on peut parler d'infidélité, ok. Taureau et Scorpion, pardonner et apprendre. Non, on te dit de laisser tomber. Hein. En libérant le passé, tu vivras davantage d'amour au moment présent. Donc, on te dit, hein. Apprends des leçons que tu as vécues avec ce Scorpion, cette Scorpionne, mais passe à autre chose. Parce que quand on a cette carte au niveau sentimental, sachez-le, ici, ça parle d'abandonner une relation pour aller vers autre chose. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit, Taureau et Scorpion? Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, dépendance affective, ouais, vous serez dans un lien karmique ou vous serez dans un lien d'attachement, mais pas d'amour ici. Et tu connais déjà ton âme sœur, ça veut tout simplement dire ici que tu as une idée précise de la personne que tu aimerais rencontrer, mais je ne pense pas que ce soit le Scorpion. Parce que le Scorpion, vous serez dans un lien de dépendance l'un à l'autre, parce que tous les deux jaloux, tous les deux possessifs, tous les deux dans une... La possession, c'est une appartenance, t'es à moi et qu'à moi.
Donc, et vous êtes tous les deux, hein, vous avez ce point en commun là dans les signes, le sexe et la possessivité et la jalousie. Ok, le conseil ici, dans cette relation, fuis Forest, cours. Non, c'est pas le conseil. Le conseil, la consécration. Alors, la consécration, ça parle de reconnaissance ici, ça parle... La consécration, c'est quand on arrive au bout de quelque chose et qu'on obtient une récompense, ok? Donc, le conseil ici, c'est si tu dois aller au bout de cette histoire, même si elle est souffrante, eh bien, vas-y, mais à la fin, tu comprendras quelque chose. Ça peut parler aussi d'être en accord ici avec l'autre, c'est possible. Bah, la carte ici, elle nous met dans une ambiguïté, hein. Elle a l'air de nous dire « ça peut matcher ». Ça peut matcher si tous les deux sont OK avec les envies, les besoins de l'autre. S'il y en a un qui s'adapte à l'autre, mais qui va vouloir s'adapter ici? Parce que vous êtes deux signes fixes et dans le ciel astral, vous êtes à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Vous êtes à l'opposé l'un de l'autre, sachez-le. Donc écoutez, prenez comme ça vous parle. J'espère que cette guidance sur toi et les autres signes t'aura parlé, t'aura plu. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Prenez soin de vous.